Bien, salut tout le monde, c'est Dardesign, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V, plus en découverte et en info sur le nouveau pack, enfin mise à jour 1.13 qui est sorti le mardi 13 août 2014 sur PS3 et Xbox 360. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes les nouveautés que Rockstar a ajoutées sur le jeu tout simplement. Nous nous retrouvons avec l'ajout de Rockstar qui a rajouté des nouveaux bâtiments, donc l'ajout de deux bâtiments en même temps, et donc deux garages, et donc 10 véhicules en plus. Après, une nouvelle arme a été ajoutée, elle s'appelle la Bullpup. Donc c'est un nouveau fusil d'assaut, il fait très mal, donc je vais vous montrer des images des dégâts qu'il peut causer. Donc on peut choisir la teinture dans la boutique, enfin dans l'armurerie. Et donc je vous ai montré un petit exemple avec une voiture test, puis aussi les civils, ça peut les one-shotter, donc ça peut faire de très bons dégâts en match à mort par équipe ou d'autres modes de jeu. Et donc là, le dégât avec la voiture. Donc vous pouvez voir que la voiture va exploser au moins en deux chargeurs de cette arme. Donc c'est une très bonne arme. Après, Rockstar a ajouté aussi des nouveaux habits, enfin donc des nouvelles tenues de très classe. En costard, franchement, ça semble pas mal. Ensuite, l'ajout de 4 nouveaux véhicules dans cette mise à jour. Il y a une moto qui s'appelle la Trust, la Massacro, la Zerthorn et la Huntley S. Puis l'ajout de nouveaux klaxons, donc je vous laisse écouter. Puis aussi moi qui ai fait pour rigoler le son de la police. Écoutez. Bref, on va arrêter des conneries et donc je vais vous faire visiter l'intérieur du nouveau bâtiment, enfin nouveau design, des nouveaux bâtiments qui sont à 500 000 dollars, il y en a qui sont à 400 000, donc le nouvel intérieur qui est pas mal. Donc je vous fais une petite visite guidée de toutes les nouvelles pièces. Donc là on est dans le salon et franchement ce nouveau design il est pas mal. On voit la cuisine avec les tables rondes avec une belle cuisine américaine. Après, on voit le salon avec un beau petit canapé, avec une très belle sono, un bel écran plat, avec une magnifique vue sur l'horizon. Franchement, c'est pas mal. Donc, je vais vous laisser sur ces images. On se retrouve juste après pour la prochaine, enfin, le prochain rajout. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai regardé les garages, malheureusement il n'y a pas de nouveau design pour le garage. Ensuite, Rockstar a ajouté encore des nouvelles actions à faire. Donc il y a le boulet. Bien joué, ouais, qui veut dire bien joué, à l'envers. Oh les mains. Et tu veux mon doigt. Puis j'ai regardé aussi en buvant du whisky ou de l'alcool, n'importe, on s'en fout. J'ai fait une petite découverte, enfin, je pense pas que ça soit sur cette mise à jour, à force de boire. Donc normalement on voit flou, c'est le principe de boire. J'ai vu un nouveau truc, c'est à force de boire on voit flou. Puis après on va tomber et on va être direct à l'hôpital. Oui, je sais, c'est une nouvelle découverte.
fait, c'est une découverte parce que j'avais pas trop joué à GTA. Et il y a un nouveau mode aussi sur la 1.13, c'est le mode psychiatre, voilà, je vais pas dire de conneries, c'est quand vous verrez des mecs en ligne, vous les verrez soit rouges ou de plus en plus rouges. Donc plus en plus rouge, ça veut dire qu'il est plus méchant, qu'il a tué plein de civils, etc. Donc plus il est rouge, et plus il sera méchant, on va dire ça. Donc là, vous pouvez voir que j'apparais à l'hôpital. Donc je pense pas que c'est une nouvelle découverte de la 1.13, mais bon, je vous le fais part en vidéo. Après, nous allons tester la nouvelle moto. Donc c'est une moto très lourde, avec... elle va vite quand même, et donc je vous laisse sur ces images. Ensuite, vous l'attendiez tous, je pense, la nouvelle Lamborghini, enfin c'est une Lamborghini, la Zertorn, je crois que c'est comme ça, c'est un nom en haut. Et donc on va voir la rapidité, je crois que c'est la voiture la plus rapide qui a été ajoutée. C'est une super sportive, elle va plus vite que la Hadder, ça c'est sûr, je l'ai testé. Et je vous montre cette rapidité en vidéo. Et c'est ainsi que la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous a plu et la partager à vos amis. En tout cas, moi j'espère que... Enfin, j'ai bien aimé faire ce montage et j'ai bien aimé aussi vous faire découvrir les nouveautés de la 1.13. Donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur GTA 5, oui, parce que sur GTA 5 ça faisait longtemps que je n'ai pas trop fait, et je vous laisse sur ces dernières petites images avec ce petit style. Allez, à bientôt, bye bye.